Bon, à la question de savoir si l'Afrique a raté le coche pour ce qui concerne le développement, est-ce que sur ce qui est également du christianisme, l'Afrique est en train de rater? Je veux dire ceci. Je suis fermement convaincu, et c'est sur ça que je travaille, que le christianisme peut être un vecteur important de développement d'une société. Dans le christianisme, dans la loi de Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas trouver de meilleure loi que cette loi-là. Quand on aime son prochain, on ne peut pas vouloir son mal, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le voler, on ne peut pas piller ce qui lui appartient, on le respecte. Avec un tel principe venant d'un maître merveilleux, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, toute société qui se base sur le christianisme, sur la foi chrétienne, sur les enseignements du Christ, n'est appelée que à se développer. Parce que le christianisme, les enseignements du Christ prônent la justice, la vérité et l'amour. La preuve, c'est que quand les sociétés européennes, les gens oublient que l'Europe n'a pas été un continent chrétien. Le christianisme vient de l'Asie. Le christianisme vient d'Israël, la Palestine actuelle. Les Européens ont été également évangélisés, comme l'Afrique de même a été évangélisée et d'autres pays. Beaucoup parlent aussi de la région des Blancs. Non, le christianisme, c'est une religion, une foi sémite. Ça vient des Sémites et les Européens qui étaient également des, vous voyez, les Romains, ce sont des polythéistes, les Grecs sont là, l'histoire est là, nous avons les Francs, les Mérovingiens, tous ceux qui ont vécu ici en France, beaucoup étaient des idolâtres. Il y avait également des animistes ici. Mais quand ils ont adopté le christianisme, ça a pu changer le rapport des uns envers les autres, le rapport des uns par rapport à l'État, les rapports des gouvernants par rapport à leurs gouvernés. Ils avaient un devoir moral devant Dieu d'abord, un devoir de justice, d'équité, et ensuite un devoir devant leur peuple, devant leur gouverné, ce qui fait que la société européenne a évolué positivement. Ce n'était pas la plus grande civilisation, la civilisation occidentale, il y avait la civilisation indienne, la civilisation chinoise, mais la civilisation occidentale s'est développée plus que les autres à cause du christianisme qui a été un vecteur important de leur développement. Cela peut se faire également en Afrique. Le problème de l'Afrique actuellement, ce n'est ni un problème de ressources, parce que nous étions sur le même pied d'égalité que la plupart d'autres pays, comme les années 60, en avance par rapport en Corée du Sud, par exemple, par rapport à la plupart des pays africains et d'autres pays. Les pays africains étaient en avance dans les années 60, les années de l'indépendance, quand il y avait Kwame Nkrumah, il y avait l'époque de Lumumba, il y avait vraiment de l'espoir pour l'Afrique. Et l'Afrique est restée à la traîne. Pas seulement à cause de ceux-là qui veulent piller les richesses du continent africain. Ça, pour moi, ce n'est qu'un prétexte. Tout peuple, dans l'histoire de l'humanité, chaque peuple a toujours eu des tendances, la tendance de conquérir, d'aller à l'expansion, de chercher son bien-être, des fois au détriment des autres peuples qu'ils rencontrent. S'ils rivalisent, ils sont les plus forts, ben, ils s'emparent des richesses. Mais comment nous pouvons rester à la traîne, nous pouvons rester le seul continent qu'on peut encore exploiter volontairement, qu'on peut toujours continuer à avilir, alors que dans d'autres pays, ça ne se fait pas. La Chine a été colonisée, l'Inde a été colonisée, le Brésil a été colonisé. Mais pourquoi c'est toujours l'Afrique qui est à la traîne? C'est parce qu'il n'y a pas encore l'amour du prochain ancré dans le cœur des Africains. Il est toujours facile aujourd'hui de corrompre un Africain pour qu'il prenne les armes ou bien qu'il se lève contre son propre frère. Ce que les autres ont pu résoudre grâce à l'évangile, l'amour du prochain, nous n'avons pas encore pu, nous n'avons pas encore pu intégrer ce principe-là chez nous. Tant qu'on ne respecte pas les principes bibliques qui aident les sociétés à se développer, la vérité, la justice, l'équité, le respect de l'autre, le respect par rapport à la loi, ce qu'on appelle l'intégrité, nous serons toujours à la traîne. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de ressources. Nous sommes le continent le plus riche au monde. Le problème de l'Afrique, c'est un problème humain. C'est un problème des personnes. Comment les autres pays ont pu se développer? C'est grâce au message de l'Évangile. On peut se dire aujourd'hui, l'Afrique est restée à la traîne, mais il y a un exemple qui fait école en Afrique. C'est le Nigeria.
grâce à l'évangile, le Nigeria, actuellement, comme nous sommes en train de parler, c'est la première puissance économique de l'Afrique. Et le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud. Je crois que l'évangile ou l'évangélisation du Nigeria, le réveil spirituel qu'il y a eu au Nigeria, a eu un effet positif dans la société nigérienne. Ça les a poussés à produire, ça les a poussés à plus de travail, à plus d'honnêteté, à plus de rigueur, à plus d'amour pour les autres. Les Nigériens ont eu un amour pour leur pays, un amour pour les autres peuples, les autres tribus. Au lieu de se combattre, de prendre les couteaux, de s'entretuer, ils ont appris à aimer l'autre grâce à l'évangile. Les pasteurs ont été importants pour réconcilier les tribus, réconcilier les peuples. Et le travail qu'ils ont fait a commencé à porter des fruits. Le Nigeria pense Nigeria, au lieu de penser telle tribu, Ashanti ou bien tel autre peuple, Yoruba ou quoi, il pense d'abord Nigeria, notre nation, en tant qu'une seule famille. Au lieu que les gens s'entretuent Hutu contre Tutsi, tel peuple contre tel autre peuple, au sein même du continent africain, si nous apprenons la loi de l'amour de Christ, nous pourrons bâtir des sociétés solides, parce que les sociétés solides sont composées des individus solides. Ces individus solides peuvent vivre ensemble quand il y a des lois solides, des principes solides qui les mettent ensemble. Alors le christianisme peut aider les pays africains, subsahariens à se développer, comme on a vu l'exemple avec le Nigeria, qui était un pays auparavant de confession musulmane la majorité et puis animiste, mais le christianisme a joué un rôle positif. Je parle en tant que chrétien, les autres peuvent défendre ce qu'ils veulent pour leurs croyances. Moi, je parle en tant que chrétien, je suis pasteur. On voit également les effets de ce développement-là grâce au christianisme au Brésil. La population commence à se donner, le christianisme évangélique, je veux dire, à se convertir, à aimer Dieu, à s'investir dans la foi, dans la parole. Et on voit que le changement de la société brésilienne a un effet positif sur leur économie. Moi, j'ai été témoin de cela. Pour la première fois, sous la dictature de Mobutu, où la paupérisation, où la corruption était érigée en système de gouvernance, nous avons vu pour la toute première fois des ministres qui accédaient au poste de fonctionnement, au poste de responsabilité au sein du gouvernement, pour la première fois de leur histoire. Ils s'appliquaient à être honnêtes, à ne pas détourner le bien et l'argent public. Et quand on vérifie l'histoire de ces ministres qui refusaient la corruption, qui étaient durs, qui étaient intègres, intransigeants, ça créait la moquerie, la suspicion et la haine des autres. Mais quand on remarquait ce ministre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était devenu un chrétien évangélique. Parce que tous les autres, le Mobutu dictateur lui-même était un catholique, tous ces autres ministres, les gouvernants qui volaient, qui pillaient, c'était tous des catholiques, d'autres étaient des animistes, qui croyaient, peu importe. Mais quand on a vu le christianisme, le réveil commencer à s'installer dans le pays, fin des années 80, au début des années 90, la plupart des personnes qui se convertissaient devenaient intègres. Moi-même, j'ai passé les examens du bac. Il y a une habitude là-bas. Avant le bac, il y a ce qu'on a fuite, on appelle les fuites des items. C'est-à-dire que les professeurs vendent, comme ils sont sous-payés, mal payés, ils vendent les questionnaires du bac aux étudiants pour qu'ils réussissent. Et dans la tricherie, ceux qui savent payer ont des réponses, se partagent. Mais nous, notre génération, les réponses passaient, mais j'ai dit, je vais faire cet examen seul avec Jésus parce que je dois être honnête avec mon Dieu. Si je réussis, je réussirai avec Jésus. Et si j'échoue, j'échoue avec Jésus, mais je resterai dans la vérité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui peut risquer même son bac pour rester intègre, juste, c'était parce que je m'étais converti, j'ai donné ma vie dans une église évangélique, alors que tout le temps où j'étais pas chrétien converti, je pouvais faire tout ce que faisaient les autres personnes. Donc le christianisme vrai, la conversion, pousse à l'honnêteté, pousse à la justice, à l'amour du prochain. Et je ne vois pas comment ces valeurs peuvent avilir une population. Tout peuple qui se convertit à Christ réellement, quand le message de Christ est bien enseigné, il y aura un développement économique, social et politique de ce pays-là. La question, c'est un problème d'enseignement. Osée, chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit « Mon peuple périt parce que lui manque la connaissance ». Le problème de l'Afrique, c'est que l'enseignement de Christ n'est pas
propager, n'est pas donner, n'est pas divulguer comme il se doit, parce que ceux qui enseignent ne sont pas formés. De la même manière que nous avons des génies chez nous, des gens qui peuvent inventer des petits garçons avec les moyens du bord, ils inventent, ils créent des histoires, ils innovent, mais on leur trouve toujours une petite bourse pour aller soit étudier en Inde ou bien aux États-Unis pour perfectionner. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes ne sommes pas capables de former des gens qui ont un talent de génie, mais ne sommes pas capables de leur donner des matériaux didactiques qu'il faut pour que le talent qu'ils ont, qu'ils le développent avec une éducation adéquate. Donc, avec l'éducation chrétienne, le vrai enseignement de la parole de Dieu, l'Afrique ne sera plus à la traîne. Ce qu'on voit au Brésil, ce qu'on voit au Nigeria, pourra se répéter, enfin se répercuter dans tous les autres pays africains. La base, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Merci.